Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bienvenue sur votre émission Derrière le mur. Aujourd'hui, Derrière le mur, dans notre quête du talent, notre chemin a croisé le chemin d'une espèce du crayon. Du crayon, le sacré crayon. Mais il s'agit de quelle expertise? Mesdames et messieurs, apprêtez-vous pour découvrir cette pépite. Et voilà, mesdames et messieurs, à nouveau, soyez les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, derrière le mur, on a découvert une aspect du crayon. Cette jeune qui a là le pouvoir, la puissance de transcrire la beauté d'une personne, d'une chose, sur un support papier. Nous sommes ici sur ce plateau avec une jeune portraitiste. Elle se nomme Adikin, se prénomme Émérence. Salut mademoiselle. Salut amour. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va très bien, les activités, est-ce que ça avance? Oui, ça avance, on rend grâce à Dieu. Super, soyez à nouveau les bienvenus sur votre émission, sur votre et notre émission Derrière le mur. Vous allez devoir vous présenter à nos chers téléspectateurs. Merci amour. Moi, on me nomme Émérence Adikin. Je suis étudiante en fin de formation en environnement, hygiène et santé publique à Cifred. Et je suis passionnée par le portrait, genre le dessin et tout ce qui a rapport avec l'art en général. Donc, je suis célibataire et j'ai 20 ans. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Et vous avez 20 ans? Oui. D'accord. Et 21 ans. Ah, vous avez 21 ans? Non, ce n'est même pas encore le souci. Vous êtes célibataire. Mm-hmm. Ça, c'est la partie la plus intéressante. Ok, voilà. Émérence est une jeune portraitiste. Et parlez-nous un peu de votre activité. Qu'est-ce qu'on entend par un ou une artiste portraitiste? Merci, amour. Une artiste portraitiste, c'est une artiste qui dessine les gens. Il reproduit une personne à partir d'une photo. Soit lorsque l'expérience est beaucoup plus avancée ou le niveau de la personne est beaucoup plus avancé, en regardant la personne en droit, comme ça, on peut le transcrire à partir des crayons. Oh. Sur un support, ça dépend de ce que la personne demande. Ça peut être sur toile ou bien ça peut être sur papier. Mais moi, généralement, je travaille sur papier. Donc, du coup, les clients me donnent leurs photos et je reproduis exactement la photo sur papier avec l'aide des crayons. Super. Et excusez-moi, nous allons faire une petite nuance. Quelle est la différence déjà entre une artiste portraitiste et une artiste plasticienne? Ok, une artiste portraitrice, c'est quelqu'un qui se charge de dessiner le visage d'une personne, par exemple, à base de crayons. Mm-hmm. Plasticien, c'est quelqu'un... C'est pas uniquement le crayon. Ça peut, on utilise aussi beaucoup les différentes sortes d'objets. Ça peut être la peinture et souvent aussi peut-être les éléments de la nature. Souvent, il y a en tout cas bon, chaque artiste avec sa manière d'exprimer son art. Ok, en fait. Super. Donc, ce qu'on peut retenir en général, c'est qu'une artiste je viens de me réveiller. Voilà, ce qu'on peut retenir en général, c'est qu'une artiste portraitiste est une artiste qui utilise le crayon uniquement, alors que l'autre peut... Il peut aussi utiliser les crayons à couleur. Ça dépend au fait. Ok, donc une artiste plasticienne fait l'usage également des peintures et autres. Mais Moi, je ne peux pas dire qu'il y a une sorte de différence au fait. La seule chose qui peut différencier, c'est le fait que souvent les artistes plasticiens, ils ont l'habitude d'associer à l'art et à leur art certains objets de la nature qui donnent encore une autre beauté. Exactement. Ils ont à leur manière propre de l'exprimer au fait. Prenons l'exemple de l'artiste plasticien Toku Paten, par exemple. Lui, il utilise l'éponge pour signer ses œuvres, au fait. Pour lui, c'est une manière, au fait, de dire, et de par la reproduction de ses œuvres. Le filet, par exemple, pour lui, et suite à quelques mois de formation auprès de lui, il a dit que le filet, c'est le fait
prenons que si on prend un pêcheur qui va sur la mer ou bien pour pêcher des poissons, que le filet, c'est l'espoir, l'espérance de pêcher beaucoup de poissons. Donc pour lui, c'est exprimer le fait, c'est en quelque sorte dire, le filet, c'est elle là pour repêcher beaucoup plus de clients, au fait. Donc chaque artiste avec sa manière Ses d'exprimer, particularités. voilà, d'exprimer son art. Ok, d'accord. Et à quel moment ça a commencé cette activité, où et comment? J'ai commencé toute petite, disons le niveau est relativement bas, mais je me suis passionnée à l'art depuis petite et au cours primaire. Ça me faisait plaisir de représenter les dessins ou bien différentes sortes de trucs que je voyais. Ça me faisait plaisir de représenter ça. Donc, après le bac, lorsque je suis allée sur le campus, et là, j'ai découvert Zaché. C'est quelqu'un qui est. Lui, c'est le portrait qu'il fait. Il est excellent dedans, au fait. Donc, du coup, ça m'a motivée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas rehausser mon niveau en apprenant auprès de lui? Donc, c'est ce qui m'a amené à suivre les cours auprès de Zaché et à la bibliothèque Béné Excellence. Donc, j'ai suivi cette formation. Ça date de plus d'une année déjà que j'ai commencé par me perfectionner dans le portrait. Quelles sont les motivations quand vous exercez cette activité, les difficultés et les motivations? Déjà, c'est une passion. C'est une passion. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais ce qui me pousse, moi, à travailler, c'est la passion. Ça me fascine, ça me met à l'aise, ça me détend. Et c'est une réelle joie de le faire, au fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des difficultés, souvent le stress. Il y a le stress qui nous travaille et on se dit souvent, mais est-ce que je pourrais réussir à bien exprimer le visage d'une telle personne avec le crayon? Est-ce que je pourrais arriver à réussir les ombrages, par exemple? Il y a différentes parties, au fait, mais généralement, moi, je travaille avec la musique et je dirais que ça me détend. C'est vrai que, bon, le stress, parfois, c'est là, mais. Super. Ok, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'utilité d'une artiste portraitiste dans la société? Voilà. OK. L'utilité. Supposons que vous avez un ami qui fête son anniversaire ou bien vous avez quelqu'un qui veut se marier et vous demandez, mais qu'est-ce que je peux lui offrir de symbolique? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Et chaque fois qu'il se réveillera et qu'il se mettra devant ce cadeau, il se dira, mais non, cette personne, il m'a offert quelque chose de généreux, quelque chose vraiment d'unique, au fait. Voilà. Donc, au fait, je dirais que les portraitistes sont là pour aider les gens. Et vous n'avez pas une idée de cadeau que vous pouvez donner. Vous pouvez vous rapprocher des portraitistes, donner la photo d'une telle personne et dire, ah, j'ai envie que cette personne, en se réveillant chaque jour et en fissant ce tableau, puisse te dire, c'est moi, oui, c'est moi, genre, avec une certaine fierté, au fait, quoi. Donc, je On a dirais que c'est coutume, en fait voilà, ça. on a coutume de dire que l'éducation est la clé du monde. Est-ce que vous voyez qu'avec cette activité, on peut éduquer le monde? Est-ce qu'on peut transcrire nos histoires à travers les portraits et autres, bon, vos Oui, œuvres? on peut le faire. On peut le faire. On peut transcrire des histoires. On peut raconter même une histoire. On peut éduquer. On peut éduquer et avec les portraits et Parce tout. que souvent, on constate que quand les gens disent souvent que le marché d'art est quasi inexistant dans notre pays. Comment vous arrivez à rentabiliser avec cette activité ou bien pas encore? Bon, moyennement, au fait, puisque beaucoup, c'est vrai que beaucoup s'intéressent à l'art, mais le problème de nous actuellement, je dirais que c'est l'argent. Puisque beaucoup ne sont pas prêts à débourser l'argent, à être prêts à sortir l'argent pour commander un tel truc. Mais ils sont intéressés par ces Et œuvres. d'accord. Et maintenant, vous, jeunes, en tant que jeunes, comment vous pensez solutionner ce problème?
Solutionner en quelle manière? Je ne comprends Bon, pas. vous avez dit que les gens sont intéressés par les œuvres, mais ils n'aiment pas décaisser, ils ne veulent pas dépenser pour avoir des bonnes œuvres et autres. C'est ça, non? Maintenant, comment vous pensez qu'avec le temps, avec votre management, votre politique, vous allez ramener les gens, vous allez amener les gens à s'intéresser plus et c'est-à-dire à pouvoir quand même acheter vos œuvres? Parce que si vous êtes une artiste et vous faites des œuvres et autres, vous faites vos créations et les gens n'achètent pas, je ne pense pas que vous puissiez rentabiliser avec cela. Bon, d'abord, moi personnellement, ma première motivation, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord la passion, ce que ça m'apporte personnellement quand je travaille, au fait. Donc, en toute chose qu'on fait, si on met en priorité l'argent, je ne sais pas si ça peut donner quelque chose. Il faut travailler par passion. Oui. Parce que par passion, tu peux tout faire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut travailler par passion. Oui. Et quand c'est pas d'abord pour l'argent, donc quand vous faites ça, Bon, ce que ça, l'argent, je attendez, attendez, dirais. ce que ça vous donne, donc déjà de là, vous allez d'abord me proposer une œuvre et ça va vous faire encore ce que ça a l'habitude de vous faire. Bon, Bon, c'est je comprends très bien. Et a priori, il faut tout faire par passion et facilement avec le temps, avec une bonne politique. Je oui. pense que le reste viendra. Donc déjà, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes sur l'émission Derrière le mur. Et sur cette émission, il y a une deuxième phase réservée aux artistes, la phase de mise en épreuve. Vous allez démontrer de quoi vous êtes capable. Vous allez présenter quelques-unes de vos œuvres à nos chers téléspectateurs. Est-ce que D'accord. vous êtes patente? Oui. Si vous êtes patente, allons derrière le mur. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de découvrir notre jeune artiste talentueuse en pleine activité et nous sommes encore sur ce plateau. Elle va nous présenter ce qu'elle vient de fabriquer en quelques instants. Voilà. Ok, bon. Ici, sur ce papier, vous avez la représentation d'une photo que j'ai faite. Et ce qui m'a motivée, au fait, à faire ce portrait, c'est la beauté de cette femme, son expression. Et je me suis dit, mais Emerance, imagine ça en portrait, imagine ça en dessin, qu'est-ce que ça peut donner, au fait? Et là, je l'ai fait et je dois dire que je ne suis pas déçue de ce que ça a donné, au fait. C'est joli. Voilà, ensuite. Donc, ici, vous avez le portrait de Maître Gims. Je ne sais pas si vous le reconnaissez là-bas, tout un chacun de vous. Donc, avant, il devait venir au Bénin pour un concert, ce qui n'a jamais abouti. Donc, je m'étais dit, ah, pourquoi ne pas représenter Mike James avec l'espoir de peut-être le rencontrer? Donc, voilà ce qui m'a amené à faire son portrait. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Il fait partie de mes artistes préférés. Voilà. J'adore ses chansons, ce qu'il fait et tout. Donc, C'est très bien, voilà. joli. Et déjà une dernière question de mise en épreuve. Selon vous, comment vous pensez qu'un jeune peut résoudre les problèmes avec sa fiancée à travers vos œuvres? Le problème Par avec sa exemple, fiancée. bon, on joue la scène. Je suppose que bon, j'ai un petit souci avec ma petite amie. Je suis venu vous voir et je vous ai expliqué le cas. Quelle proposition, parce que c'est ça que le management, quelle proposition vous pouvez me faire à travers vos œuvres afin que je puisse quand même l'émerveiller, l'impressionner autrement pour calmer un peu la tension? Eh bien, je te dirai, ou bien je vous dirai, excusez-moi, de lui faire un portrait. Bon, vous pouvez faire deux, trois, quatre, ça dépend de comment vous avez envie de l'impressionner. Et c'est ça. Vous allez lui faire un Ouais, portrait avec un et lui portrait. faire une surprise. Peut-être Oh, aller la voir chez elle j'ai eu à la la solution maison. maintenant. Parce que je peux vous rassurer depuis 9 mois, quelques semaines,
Je suis en relation tout comme si, bon, célibat, c'est ça quoi, il a un souci entre elle et moi. Bon, excusez-moi, je Mais plaisantais, essayez de je vous suis asseoir célibataire, et donc discuter c'est bon. aussi. Voilà, donc déjà, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous allez devoir laisser vos coordonnées à nos chers téléspectateurs en cas de besoin de vos services. OK, on peut me joindre sur le 66 60 56 73 ou encore sur le 65 34 89 42. Et mon premier numéro, le 66 60 56 73, est sur WhatsApp. Vous pouvez me joindre, m'écrire à n'importe quel moment, Et lorsque je serai sur connectée. Facebook, c'est quel nom? Et sur Facebook, c'est Emerance Adekin. Ok, super. Et Et j'ai voilà. aussi l'habitude de poster mes trucs sur Insta pour ceux qui ne sont pas fans de Facebook. Et mon nom, c'est Aimé Adic. Ok, super. Et voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, nous tendons petitement vers la fin de cette noble émission. Et vous voyez déjà combien de fois on peut se servir de l'art pour éduquer, pour émerveiller, pour faire des miracles dans les cœurs et autres. Donc déjà, sans plus tarder, sans hésitation, le courir très vite, je vais dire, hein, pour contacter notre jeune artiste en cas de besoin de ses services. Je pense qu'elle va vous satisfaire sans crainte. Voilà. À la prochaine pour un autre numéro. Derrière le mur. Au revoir.